Opérer plus de 50 enfants d'ici la fin de l'année, l'initiative se poursuit au centre hospitalier Mère-Enfant Le Luxembourg de Bamako. Après l'intervention chirurgicale de la petite fille Fanta le 10 septembre dernier, 34 autres cas ont été pris en charge. Sur ces 34 interventions, il y a eu 20 cas d'opération à cœur ouvert et 14 cas à cœur fermé. Pour ce qui concerne le coût de ces opérations, des mécanismes ont été proposés par les chirurgiens pour alléger les populations. Il s'agit des demandes de subventions venant du gouvernement ou des structures bénévoles. La construction du centre de chirurgie cardiaque au Mali a coûté plus d'1,3 milliard de francs CFA. C'est un don d'une Française d'origine vietnamienne. Des médecins du centre de chirurgie cardiaque affirment que la demande est énorme. Plus de 2500 enfants atteints de malformations du cœur sont sur la liste d'attente au Mali. Le docteur Baba Ibrahim Diara, cardiopédiatre, fait partie des chirurgiens qui ont opéré Fanta Diara le 10 septembre. Selon lui, le centre de chirurgie cardiaque est une avancée pour le Mali. L'objectif est qu'à compter du mois de janvier 2019, l'équipe d'intervention malienne soit autonome.